Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. J'espère que vous allez bien, Laurent et Lionel, pour vous servir dans un lieu que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir plébiscité. Il s'agit des Gorges du Tarn. Voici un nouvel épisode de nos aventures donc dans ces très belles Gorges du Tarn. Voilà, on vient de décoller depuis une bonne vingtaine de minutes. On se trouve en face nord d'un cos qu'on commence à bien connaître, qu'on vous a souvent présenté en vidéo. Il s'agit du cos Méjean, dont on va rejoindre la bordure. On retrouve notre bel environnement de falaise, puisqu'on est en train d'évoluer dans ce qu'on appelle un canyon calcaire. Les gorges mesurent 50 km du point d'entrée au point de sortie. Évidemment, beaucoup de rando et de GR le parcours, comme celui-ci, qui est parfaitement bien tracé. Premier nid d'aigle de la journée, qui nous permet d'admirer notre point de départ. On est quasiment parti de là. C'est le village des Vignes. Et bien voilà, ça y est déjà, on vient de prendre pied sur notre plateau du cos Méjean. Le cos Méjeanti, avec une très belle ferme cossonarde, la ferme du Cax. C'est que de la pierre. Et de la loze évidemment sur les toitures. Allez, on va chercher les premières belles vues de la journée avec un promontoire sur le bord du cos Méjean qui va nous permettre d'admirer la partie peut-être la plus accidentée des gorges du Tarn. Eh bien voici le premier belvédère de qualité, on en aura tout au long de cette sortie. On est en train d'avancer sur une arête de plus en plus effilée. Et forcément au bout là-bas, la vue promet d'être assez spectaculaire. Quelques pas de désescalade, mais rien de très sérieux. Et on va arriver quasiment sur le bout de notre éperon qui doit dominer les gorges. Voilà, là je pense qu'on arrive au bout du bout là, hein, Lionel. On peut pas aller plus loin là. Après ça redescend un peu, ouais. On peut mesurer le chemin parcouru depuis le point de départ. Voilà, c'était là-bas, tout au fond. Thank you.
C'est une arête assez ludique pour venir admirer cette vue là. Juste une toute petite escalade à faire, de rien du tout. Et vous y êtes. Retour donc sur le Cosméjan, cette fois-ci pour le parcourir pendant plusieurs kilomètres pour aller chercher le gros point de vue de la journée. Ça s'appelle Roc des Ourtous. Alors aujourd'hui, nous sommes quasiment à la mi-juillet avec des températures plutôt fraîches pour la saison et de l'humidité dans l'herbe. Ça fait que là, on est parti pour se mouiller les guiboles, Lionel. On a un sentier bien sympathique, bien herbeux et surtout l'herbe est gorgée d'eau. Donc ça nous rafraîchit, mais un petit peu trop tôt pour l'instant. Alors précision sur ce parcours qui mesure 20 km de long, donc c'est pas rien. Il faut quand même un minimum d'entraînement pour le parcourir. Ici on retrouve les belles forêts du Cosméjan. Beaucoup de conifères évidemment. Et puis du buis aussi, on en a remarqué pas mal dans les parages. Voilà, et puis ça va, plus on se rapproche de cette forêt. Et donc c'est là qu'on va essayer de voir si on peut passer sur la gauche. Ben, sinon, il faudra rebrousser chemin. Allez, c'est toujours la piste agricole. On voit quand même les doubles traces du tracteur. Il ne va pas passer souvent quand même dans le coin. Et puis donc à partir de cet endroit, il faut quand même avoir préparé un petit peu son itinéraire. GPS indispensable, mais surtout carte. Je vous présente mes cheveux. Ce sont des cheveux d'ange. Une belle plante, très soyeuse. Bon, ben Lionel, on arrive à la section où on va voir si on trouve notre sente, si elle existe ou si elle n'existe pas. Et là, on va prendre la décision qui s'impose. Allez, j'avais repéré de la petite piste là. C'est même pas de la petite piste, c'est de la sente. Elle est juste indiquée sur OpenStreetMap. Parce que sinon, je serais jamais venu la chercher celle-là. Elle suit donc les falaises. Là, c'est assez boisé, on voit pas grand-chose. J'espère donc qu'elle va pouvoir nous emmener de l'autre côté de la forêt. Et bien, voici le type de sente qu'on aime bien. Très confidentielle. Bon, elle est quand même apparente, donc il doit y avoir un certain passage, mais je ne pense pas que ce soit la plus connue du coin là. Allez, pas de problème. Il y a des buis, il y a des pins qui piquent un peu par endroit, mais globalement, pas de difficulté particulière pour suivre cette piste, ou cette sente, comme je dirais plutôt. Un peu de gymnastique. Ils avaient prévu le passage. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne. Merci aussi de liker, de commenter nos vidéos, de les partager, d'aller voir sur Instagram toutes les photos que nous postons et puis aussi d'aller rendre visite à notre partenaire bio, la boutique nutrinaturel.com. Allez, encore une autre vue à l'horizon, une des parties les plus escarpées.
de ces gorges du Tarn. C'est dommage, ça me privait quand même celle-là aussi. Et là, on se rend compte vraiment du travail de l'eau. Attention, espèce protégée, il s'agit du sabot de Vénus. Alors le sabot de Vénus, je ne sais pas trop où il est par rapport à nous là. Je n'en vois pas, mais évidemment, il est déconseillé d'en ramasser parce que sinon c'est 15 000 euros d'amende. Ouais, 15 000. Le problème, c'est que je ne sais pas où il se trouve ce sabot. C'est lui là, Voilà, on est en passe d'arriver à l'endroit le plus touristique de ce parcours à 893 mètres d'altitude. C'est le roc des Ourtous, un belvédère assez impressionnant. Vous pouvez venir quasiment en voiture puisqu'on se gare à quelques dizaines de mètres de ce belvédère qu'on va vous faire admirer tout de suite. Le site du roc des Ourtous, version vide, quasiment aucune voiture. Hein. Les touristes ne sont pas encore arrivés. Ça devrait pas tarder quand même parce que le belvédère est assez impressionnant. Puis là vous avez de quoi, je crois, vous restaurer. Restaurant bar, c'est bien ça, ouais. Voilà les petites bestioles qui volent, surtout à la mi-journée, là c'est un petit peu tôt là, parce qu'il est à peine 9h. Ils attendent les courants d'air chaud ascendant pour s'élancer. Nos amis les vautours, je rappelle, 4 espèces réintroduites dans ce secteur. Voici enfin notre belvédère. On est sur le Causse Méjean et c'est un petit peu le pendant du belvédère qui existe de l'autre côté, sur le Causse de Sauveterre. Et là, on a une vue quand même assez splendide, hein, sur les gorges du Tarn. Voilà le Tarn qui serpente, on va aller le chercher puisqu'on va devoir redescendre. Et puis on va longer donc toutes ces falaises. On va longer cette partie qui s'appelle le Détroit. C'est la partie la plus étroite entre les deux causses. Il y a à peine 1200 mètres de distance entre les deux parties. Voilà, c'est vers le fond, je pense, voilà, ici là. Et bien voilà, on a quitté le roc des Ourtous et on se retrouve dans un endroit où on a à peu près la même vue. Légèrement plus bouché, mais quasiment aussi spectaculaire que tout à l'heure, sauf que là vous aurez un peu moins de monde et puis qu'on va pouvoir à nouveau réadmirer le Tarn.
C'est parti pour la descente. 300 mètres, 350 mètres environ de dénivelé pour rejoindre quasiment les berges du Tarn. On va pas tout à fait y arriver, tout le temps on oscillera au-dessus de 50 mètres environ. Puis même sur la fin, on va s'élever en corniche. Alors c'est de la descente pierreuse, il fallait s'y attendre, de toute façon c'est du calcaire ici, donc il y a des bouts de rochers partout. Donc prudence, cette section. Il y a de la racine aussi, et de l'herbe. Pas de soucis au niveau par contre de l'ombrage dans cette descente. Bon là c'est sûr que c'est encore le matin, le soleil a le temps de percer à travers les arbres, mais malgré tout il y a suffisamment de végétation pour être assez protégé. C'est vrai que ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre rando sur les gorges du Tarn. Le seul truc qui m'embête un peu ici, c'est toujours quand j'entends ces voitures et ces motos là, parce que les routes sont toutes proches en fait. Et donc avec les parois rocheuses, le son se propage. On a l'impression d'être presque sur une autoroute là par moment. Je m'arrête un court instant pour vous montrer le style de falaise très caractéristique du secteur. C'est dolomitique, c'est calcaire, c'est abrupt. Et nous, ben on est déjà pas loin du bas de la descente, Lionel. Mais où va donc nous entraîner notre sentier? Parce que là, c'est bien abrupt partout. D'accord. Ouais, il va longer la base. Ici, ouais. Voilà, là on sent vraiment qu'on est vers le bas du canyon. L'ambiance est de plus en plus forestière là. Pas semblant cette descente. Ouais. Super vite du dénivelé. Et bien voilà, on a fini notre longue descente. Pas si longue que ça en fait, puisqu'elle a pris peut-être aller moins de demi-heure. Et puis là donc on va longer les rives du Tarn. On les surplombe. Alors espérons qu'on ait quelques trouées dans la végétation. Parce qu'on a 8 km à faire pour revenir au point de départ. Il y aura souvent des zones boisées comme ici là. Donc les vues ne seront pas toujours au rendez-vous. Voilà quelques autres belles falaises. C'est peut-être finalement que lorsqu'on est en bas, que ces gorges du Tarn sont les plus belles. Et c'est pour ça que je vous engage également à penser venir faire du canoë-kayak. Une des activités privilégiées par les touristes ici. Là, si vous aimez cette atmosphère, vous serez servi. Hein. Et souvent dans la forêt, donc on ne profite pas parfaitement des vues sur les gorges. Là, sur cette partie, voilà, ça s'améliore. Justement, c'est un peu moins encaissé, donc ça reste quand même sympathique à voir.
Village des Vignes à l'horizon. Retour tranquille. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode dans les gorges du Tarn. Pensez à vous abonner, à laisser des commentaires, à aller sur notre page Instagram et puis aller visiter la boutique nutrinaturel.com. Voilà, je vous souhaite de très belles randonnées. On se donne rendez-vous très prochainement. À bientôt, salut, ciao, ciao.